Entre ce qui dit et non voulu, et ce qui est voulu et non énoncé, beaucoup d'amour se perd. Beaucoup d'entre nous ne se détournent pas de la haine, mais plutôt de la douleur. Et beaucoup d'entre nous ne changent pas en vain, mais plutôt par la force. À l'intérieur de chacun de nous se trouve un autre être humain, dont nous ne savons rien. Ne vivez pas dans l'attente de personne, car quiconque ne considère pas votre présence comme un gain pour lui, ne considère pas son absence comme une perte pour vous. Si quelque chose est fini, ne perdez pas votre temps à vous accrocher et à penser trop longtemps. Soyez libre, avancez et commencez une nouvelle expérience. La domination et la victoire d'une personne sur elle-même est la première et la plus noble de toutes les victoires. Il n'y a plus de place pour les mauvaises personnes. Même si j'ai surmonté tout ce que me fait mal, je ne suis plus ce que j'étais. Donner une deuxième chance malgré la noblesse de la situation, la plupart du temps c'est de la stupidité. Une fois que vous aurez accepté vos défauts, vous ne permettrez à personne de les utiliser contre vous. Je déteste les victimes qui respectent leur bourreau. Si vous ne fixez pas des frontières dans une relation, tôt ou tard vous serez obligé de déclarer une guerre contre un colonisateur. Un moment de douleur peut apporter une vie de gloire. Chaque fois que quelqu'un m'enfonce, j'essaye d'élever mon âme si haut que l'enfance ne peut l'atteindre. Le chemin le plus difficile est celui du retour à toi-même. Ce que nous laissons par la logique, nous ne sommes pas censés revenir par l'émotion. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à laisser un commentaire. Merci.